Adonai, le Dieu créateur. Hello, soyez bénis, mon frère et ma sœur, toi qui me suis maintenant. Comme toujours dans notre programme, l'école du Saint-Esprit, nous allons partager un verset encore aujourd'hui. Et nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Nous allons partager toujours un verset comme d'habitude dans notre programme, l'école du Saint-Esprit. Et que l'Esprit nous aide à tirer quelque chose, comme toujours, dans notre programme, l'école du Saint-Esprit, c'est pour bénéficier de la connaissance qui vient du trône de l'Éternel. C'est pour ça que notre programme est appelé l'école du Saint-Esprit. Car la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est lui qui nous enseigne des choses qui sont cachées derrière les Écritures. C'est lui qui nous révèle les paroles qui sont cachées derrière les Écritures. C'est pour cela nous appelons notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons partager aujourd'hui sur le livre d'Éphésiens, un verset qu'on va lire maintenant. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On parle du corps de Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Lui, c'est le Créateur, lui, c'est Christ, lui, c'est le Saint-Esprit, lui, c'est l'Église. L'Église, c'est nous. Et lui, c'est le chef. Je réponds encore le verset. Éphésiens, chapitre 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans la charité. Donc notre exhortation, je l'intitule « Un corps solidement assemblé ». Donc nous devons être un corps solidement assemblé. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans un corps quand nous sommes solidement assemblés. Quand nous marchons tous dans la même direction. Quand nous travaillons tous ensemble d'un commun accord, et si nous avançons tous comme un seul homme, en tant que le corps de Christ, il n'y a rien qui peut arriver au corps qui est solidement assemblé. Il n'y a rien qui peut arriver à une famille qui est solidement attachée. Il n'y a rien qui peut arriver à une église locale qui est attachée, les membres les uns les autres qui sont attachés, qui prient ensemble, qui ont la même pensée de grandir, de faire croître leur ministère, de faire avancer l'œuvre à laquelle ils sont en train de travailler pour la gloire de Jésus-Christ. Je reprends encore le verset. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Éphésiens chapitre 4 verset 16. Si nous sommes réellement unis, nos forces détruiront les œuvres des ténèbres. Les travaux de l'ennemi n'auront aucun effet dans la vie d'un groupe qui sont unis, parfaitement unis, d'un groupe de prière, d'une église, d'une famille, qui sont solidement attachés. Et vous formez ce qu'on appelle le corps de Christ. Vous comprenez? C'est pour cela, lorsqu'une maison commence à prier ensemble, toute la famille commence à prier ensemble, la mission de l'ennemi, il vient pour commencer à mettre des troubles ou à chercher à vous distraire. Que chacun puisse commencer à prier de sa manière.
Mais lorsque vous sommes réellement unis et vous avez des séances de prière familiales chaque soir dans votre famille, tous les jours, vous allez voir la gloire de Dieu. Et l'ennemi ne pourra pas vous diviser, l'ennemi ne pourra pas vous embrouiller, l'ennemi ne pourra pas vous détruire, car vous êtes unis d'un commun accord. Et quand vous êtes unis, vous devez aussi être sous le contrôle du Saint-Esprit et sous la main du Saint-Esprit, sous sa puissance, car vous formez là un corps. Vous pouvez être unis en dehors, là le diable va carrément vous détruire. Mais si vous êtes unis en Christ Jésus et vous tirez tout de lui, votre croissance, vous le tirez de Christ, de l'Esprit de Jésus-Christ, vous allez avancer de victoire à victoire et de gloire à gloire, de succès à succès. Et l'Esprit va vous enseigner toujours, va vous aider, va vous corriger les erreurs afin que vous continuez à avancer parce que vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes parfaitement unis, il faut qu'il y ait parmi vous un chef. Quand je parle d'un chef ou un guide, bien sûr nous avons l'Esprit qui nous dirige tous ensemble. Nous avons les dons divers, nous avons les différents dons. Nous contribuons tous à l'édification commune, nous contribuons tous à l'avancement de l'œuvre. Mais Dieu a établi toujours, ou Dieu établit toujours un chef parmi vous. Quelqu'un qui sera là pour vous orienter, quelqu'un qui sera là, qui bénéficiera plus de la part de l'Éternel, malgré vous bénéficiez tous, mais Dieu fera de lui, Dieu fera une grâce particulière à cette personne. C'est pour cela que Dieu a dit que l'homme doit être le chef de sa famille, comme Christ est le chef de l'Église. Si un homme parmi vous fait de sorte que cet homme puisse porter la charge de vous conduire, et vous, votre mission, c'est de les épauler, d'être en commun, de les aider, afin que vous continuiez à fonctionner d'un commun accord avec l'Esprit de Christ. Soyez solidement ensemblés, soyez un corps qui est solidement uni. C'est pour ça que le travail de l'Église fonctionne bien quand tous les corps vous êtes solidement unis comme un seul homme. Quand toute l'Église vous êtes réellement unis comme un seul homme, vous avancerez de l'avant. Que l'hypocrisie sorte dans votre groupe, dans votre équipe. Il y aura toujours des épreuves. Et soyez fidèles à la parole de Dieu. Obéissez aux instructions du Saint-Esprit qui vient de ses serviteurs, qui vient de la personne que Dieu a mis devant vous pour vous diriger, pour vous orienter. Car il a dit, il a fait des dons. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Dieu a fait des dons. Le verset 10. Ben dit, il a fait des dons aux églises. Donc la personne que Dieu a mis devant vous, c'est comme un don que Dieu a mis. Et si vous négligez ces dons-là, c'est là que le diable va commencer à vous diviser. Cherchez pas à devenir un chef parce que tu veux devenir un chef des autres. Non, nous devons être solidement ensemble, solidement unis, solidement ensemble, comme un seul homme, car nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Vous comprenez? Psaume 133 dit ceci, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'huile coule, c'est là que l'onction vient, c'est là que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester. Parce que l'Esprit sonde aussi nos cœurs. Et c'est si nous sommes réellement unis. Faisons pas ça juste par l'apparence.
mais nos cœurs. Il a répandu en nous son amour. C'est le Romains chapitre 5, verset 5b. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit, par son Esprit qui nous a donné. Dieu a répandu en nous son amour. Et son amour-là fonctionne à travers nous, fonctionne en nous. Et là, on vient de lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide ensemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dieu nous a fait des dons particuliers, des grâces, mais il veut que nous soyons parfaitement unis, nous soyons ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Sois un avec l'Esprit du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Sois uni avec le Saint-Esprit. Et sois d'un commun accord avec tes frères et sœurs. Que vous soyez solidement unis. Vous soyez un corps qui est solidement ensemble. Et qui tire son accroissement de l'Esprit Saint. Tirez votre croissance, tirez votre puissance de Dieu lui-même quand vous êtes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Qu'à travers cette exhortation, que la puissance de Dieu puisse contrôler ta vie. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à vivre avec les autres, à se mettre d'accord avec les autres pour l'avancement de son œuvre. Et que vous soyez tous sous la puissante main du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.